Seigneur, moi quoi t'es mouru. Moi quoi c'est mettre la vie. Moi quoi j'ai tout pouvoir. Et moi quoi ou apprendre. Seigneur, moi quoi c'est mon Dieu. Oui, moi quoi ou apprendre. Moi quoi. La vie, oui, moi crois, c'est prince la paix, oui, moi crois, j'ai tout pouvoir, et moi crois, ou apprenne, yeah, hallelujah. Parole ou fait nous connaître que si nous croyons que c'est petit bon Dieu et qu'on est levé vivant parmi moi, nous va gagner la vie éternelle. Et qu'on y a, avec nous levé en l'air, nous faisons connaître que nous croyons. Nous croyons que c'est petit bon Dieu. C'est prince la paix pour que tout pouvoir apprenne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prière du matin qui rentre la caillou cougnelle. Son rendez-vous que nous gagnons chaque matin pour nous prier ensemble. Et nous connaissons que chaque samedi, c'est prière d'adoration, prière de remerciement, prière de louange que nous faisons chaque samedi. Pendant toute semaine, nous avons parlé de Joseph. Et je vous dis, c'est samedi 19.
mars 2022. Chaque samedi, nous va faire l'autre bagaille. C'est parler de Dieu. C'est prière de remerciement. Prière d'action de grâce. C'est dans l'optique ça. Nous prenons le d'action de grâce. C'est un somme que nous chanter. C'est un cantique pour la dédicace de la maison. C'est David qui t'a écrit cantique ça. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la force. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par nos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, la allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne s'en servirai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et j'ai fui troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la force? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Psaume 30. Alléluia. Psaume 30. Nous baillons, Seigneur, gloire à terre. Nous baillons, Seigneur, louange à terre. Pas gain tant cool. Et pas chambre gain tant cool. Je dis, samedi ça, ne pas demander mon Dieu en rien. Et permettre que nous arrivions dans le dernier jour, dans la semaine. Quand pile accident fait pendant ce matin, quand pile monde qui descend de la force pendant ce matin, quand pile monde qui disparaît pendant ce matin, moins vivant ou vivant, nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce sont les vivants. Puisque nous vivons, puisque nous vivons, puisque nous vivons, on met tête nous ensemble pour nous louer mon Dieu matin. On met tête nous ensemble pour nous exalter.
on dit merci. Amen. À la bon sabon, les nous reconnaissons. À la bon sabon, les nous reconnaissons. Le papi bon, parce que c'est là qui mourit, parce que c'est là qui disparaît. Mais c'est la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je dis ça, nous pouvons dire Seigneur merci pour ça. Il y est pour nous. Et nous pouvons dire merci pour ça. Il fait pour nous. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Tout ce qui respire. En éternité, tu es le Dieu de toute l'éternité. Maintenant, Père, ou bon pour nous, bonté ou Dieu toujours, et fidélité de génération en génération. Et puisqu'on quitte nous vivants maintenant, gloire pour, l'honneur pour, adoration pour. Exaltation. Oui, merci Seigneur pour la protection. Merci Seigneur pour la sécurité que vous nous. Merci Seigneur pour Jésus que vous nous. Merci pour l'évangile. Merci Seigneur parce que toujours devant nous. Amen. Pour conduire nous. Amen. Ou en dans nous, Père. Pour transformer nous. Merci. Ou sous-côté nous, Seigneur. Pour accompagner nous. Alléluia. Ou derrière nous. Pour protéger nous. Ou sous-tête nous. Pour bénir nous, Seigneur. Et nous disons merci. Pour clôture qu'on fait autour de nous. Ce n'est pas deux expéditions non bloquées pour nous. Et pas deux maladies non, Seigneur, bloquées pour nous. Ce n'est pas deux la mort prématurée non, bloquées pour nous. Ou bloquées le mieux et ou dit nous avancer. Ou bloquer adversaire nous yo et ou dit nous avancer. Ou bloquer maladie yo et ou dit nous avancer. Gloire pour vous, Seigneur. C'est pas seulement pour peuple Israël là où tu bloques l'armée égyptienne non, non. Mais chaque jour et pas deux expéditions bloquées pour nous. Maladie pour ta tomber sous nous qui pour touyer nous ou bloquer yo et ou dit nous avancer. Ou dit frère Jerry, avancer. Amen. Ou dit frère Herville, avancer. Ou dit sœur Erline, avancer. Ou dit sœur Sheila, avancer. Pendant que vous bloquez adversaire, vous bloquez la mort, vous bloquez persécution, vous bloquez toute flèche, vous bloquez et vous dit nous avancer. Merci Seigneur. Ou bloquer en pile bagaille et ou dit pour 10 français avancer, ou dit c'est l'Oman avancer, ou dit c'est français avancer. Ou dit c'est Télémac avancer. Pendant qu'on bloque le mieux. Nous pas qu'un mot non, Seigneur. Nous pas qu'une expression non, Seigneur. Ou c'est premier et ou c'est dernier. Ou c'est commencement et ou c'est finissement. Ou qui contrôle tout bagaille. C'est ou domine ciel, yo. C'est ou domine terre là. C'est ou domine en bas la mer.
nous connaissons, oui, Seigneur. Si mettre yo ka faire quelque bagarre, mais yo limité. Si Seigneur yo ka faire quelque bagarre, si chef yo ka faire quelque bagarre, mais yo limité. Mais ou même, ou c'est maître des maîtres, ou c'est chef des chefs, ou c'est Seigneur des Seigneurs. Au mon camel, chef là t'es là, mais puisque c'est chef des chefs, là y aurait les lui pas qu'apparaître parce que chef des chefs là, Seigneur, ou c'est Seigneur des Seigneurs, ou c'est maître des maîtres, ou c'est chef des chefs. Matin, gloire pour vous. Matin, louange pour vous. Matin, exaltation pour vous. Matin, remerciement. Combien de monde qui met en l'air ça va même là? Combien de monde met en l'air qu'un petit mot Dieu merci? Il faut traverser ce maintenant. Il est pas eu d'accident ça. Qui m'ont dit fait même maladie avec eux? Ils ont mouru, mais on met moi vivre parce que met en l'air. Qu'un petit Seigneur merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire pour vous. Frère Masley Abdou, merci. Frère Moïse Abdou, merci. Église des dieux, maison de refuge de Delma 52, Abdou, merci. Nous-mêmes qui vivons en Haïti, nous encore vivons 19 mars 2022. Que son côté ou écouter nous. Levez-moi en l'air. À nous crier, béni soit l'Éternel. À nous crier, Seigneur, sous patte là. Comment ça t'a dit? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La foi de l'Éternel est puissante. La foi de l'Éternel est majestueuse. La foi de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme de jeunes buffles. La foi de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La foi de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La foi de l'Éternel fait enfanter les bûches. Elle dépouille. L'Éternel était sous son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Que bon Dieu bénisse ma terre. Que bon Dieu bénisse ma terre. Quel que soit le sourire. Gade ki sa bon Dieu nan ka fè. Ou
avec Jésus, non, ma pensée. C'est pour la vie, me fait gros et pas. Au nom de Jésus, faut me camper. C'est pour me témoigner, pour m'étonner, pour ne pas jouer un mot, pour m'exprimer. L'adoration a un aspect biblique et un aspect musical. Elle peut être individuelle ou collective. Parfois, on l'utilise à la place de louange. Souvent,
quand on parle de l'adoration, on voit les services religieux. Mais le sens du thème adoration est beaucoup plus étendu. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Nous lisons dans Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, la meilleure façon d'adorer Dieu est d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. L'adoration est un mode de vie. Souvenez, l'adoration est un mode de vie. Elle est l'attitude de profond respect, d'amour et de dévouement du chrétien, priant et contemplant Dieu. Le croyant se reconnaît aussi créature devant son Créateur. Alléluia. Frères et sœurs, l'adoration, son bagage extraordinaire. L'adoration, son mode de vie. L'adoration. Mon qu'adorer bon Dieu, c'est mon qu'à vivre de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Qui a respect, qui a l'amour, qui a obéi bon Dieu. C'est le créature devant son Créateur. Et nous sommes libres. Dans Romains chapitre 12, verset 1er. Donc, la meilleure façon d'adorer Dieu est d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et dans Jean chapitre 4, vrai adorateur est adoré Dieu en esprit et en vérité. Ouais. L'idée de la louange paraît beaucoup plus explicite dans le mot Alléluia. Le mot Alléluia dans la langue hébraïque signifie louange pour le Seigneur. La louange est un acte posé au cours de l'adoration. La louange est un acte posé au cours de l'adoration. Toute la création peut louer Dieu, parler de ses bienfaits, parler de ses œuvres, mais tout le monde n'adore pas Dieu. Alléluia.
frère. C'est gros bagage qu'a dit là. Toute la création peut louer Dieu, parler de ses bienfaits, parler de ses œuvres. Mais tout le monde n'adore pas Dieu. Histoire de Caïn et Abel. Dieu reçoit l'adoration d'un cœur propre. À bien considérer, l'auteur du psaume 58 invite toute la création à louer Dieu. Nous lisons le psaume 148, son invitation. Par exemple, louer l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous tous ses armées, louez-le, soleil et la lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel. Son invitation. Le psalmiste qui écrit psaume 148 ans pour tout bagaille, bail pour Dieu, louange. Mais pour adorer pour Dieu, il faut qu'on ait intimité, il faut qu'il y ait relation. Amen. Nous comptons, oui, Mater. Nous comptons. Pour nous taper sentir, continuance entre l'adoration et louange. Continuance. Côté que nous t'ai défini pour vous qui sa adoration hier, samedi dernier. Et nous t'ai parlé tout qui sa la louange hier. Et puis nous barontignons de nous font parler de l'adoration et la louange. Nous t'es pas où trois mots samedi, hein? Samedi dernier. Un, nous t'es pas où halal. Deux, nous t'es pas où shabbat. Et trois, nous t'es pas où zabar. Je dis, quelques teïla, le mot grec teïla, c'est T-E-H-I-2-L-A-H, teïla, ce mot qui signifie louange, action de chanter, célébrer l'Éternel. Teïla, ce mot qui signifie louange, action de grâce, chanter, danser, louer le maître de maître. Les peuples d'Israël là, qu'on sortit dans la guerre et aucun bataille là, les que bon Dieu va au victoire sur un ennemi, tu vas répéter Teïla, Teïla, Teïla. Allô, il a fait action de grâce, il a chanté, il a dansé, il a parlé bien ferme de Dieu. Combien de monde matin a dit Teïla, Alem, Teïla, Teïla, pour savoir Dieu fait pour vous, ou besoin de dire Teïla, pour célébrer. Cinquième mot, c'est Nabaou, c'est Barak. B-A-R-A-K signifie s'agenouiller pour adorer. Barak, il gagne plus sens. Les peuples Israël là, blaï devant mon Dieu. Et pas, Teïla, il dit, c'est Barak. S'agenouiller devant quelqu'un, c'est manifester
l'humilité. Bien aimé, l'adoration, c'est ça, s'agenouiller. Eh bien, c'est Barak. Nous réellement contents pour nous parler un peu chaque samedi de l'adoration et de louange. Nous baouf de trois mots. Je vous dis, c'est Teila. Teila. Nous baouf Barak. Et nous baouf Jada. Jada, c'est J-A-D-A-H. Signifie remerciement, détendre les mains, c'est dans cette gloire à Dieu. Jada signifie remerciement à l'Éternel. Jada, c'est remerciement à l'Éternel. Frère, sœur, c'est prière du matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous comptons oui, pour nous ensemble, matin. La prière de remerciement, ça, la prière d'action de grâce, ça. Parce que le samedi, nous ne pouvons pas demander rien. Seulement nous disons Dieu merci. Et nous crions, béni soit l'Éternel. Nous crions à Dieu seul, soit la gloire.
worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. You are here moving in a mist. I worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here touching every heart. I worship you. I worship you. You are here healing every heart. I worship you. I worship you. You are here turning lives around. I worship you. I worship you. You are here mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, hey. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. I worship you. You are here meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, de 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 de